vous inquiétez pas, mon cher collègue, on laissera les clés chez Madame Barrel comme prévu. Allez, profitez de vos derniers jours de vacances. Au revoir. Oui ? Ah, Yannick, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un blessé sur un chalut, ça a l'air grave. Et qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas. J'ai juste reçu un appel radio. Mais le chalut arrive au port. Bon, je prends ma trousse, on y va. Ouais. Loïc est là. Il a glissé dans la cale, on l'a remonté comme on a pu. Il a perdu connaissance tout de suite? Non, il a d'abord hurlé, puis après il s'est évanoui. On fait route au plus vite. Il me faudrait de quoi immobiliser la jambe. Yannick, j'ai besoin de la telle et du brancard. On transporte au cabinet. Je peux venir à Hélène ? Oui, dites-lui de prévoir un rapatriement sanitaire. Maintenez-le, il risque de bouger là. Vous passez la tête. Doucement. Oh. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. On le soulève et on le met sur le brancard. Hein. Allez, doucement. Un, deux, trois. Allez, les dérapages. Attention. Allez, bon gars, on va te soigner. Oh. T'inquiète pas. Ça va vous calmer le temps d'arriver à l'hôpital. Ça va le pansement ? Ah bah ça sert un peu. J'ai perdu beaucoup de sang, non ? Non, ça va aller. On va vous faire une perfusion de glucose. Ah. Vous regarderez le pansement, Hélène. Oui, docteur. Et n'oubliez pas les antibiotiques. Oui. L'hélicoptère ne va sûrement pas tarder. Faut pas vous inquiéter. Non. Docteur. Un problème? On ne peut pas voir d'hélico. Ils sont tous réquisitionnés sur un ferry en flammes. Bon, à quelle heure est le prochain bac? Attendez, j'ai les horaires. Voilà, 17h30. Il y en a pas un plus tôt? En plus, il y a un avis de tempête. Bon. Ben, je prendrai le bac avec Loïc. C'est pas de chance, à deux jours de la fin. Allons, Hélène, on ne va pas se plaindre. Depuis notre arrivée, on n'a pas franchement été débordés. Un vrai séjour de vacances. À mon avis, on n'a pas la même définition des choses. Cabinet médical, bonjour. Oui, mais le docteur vient tout de suite, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi votre nom, votre adresse. Voilà, tout de suite. Docteur ? Oui ? Un petit bout de chou qui a mal au ventre. Tenez, je vous ai tout noté. C'est à côté de chez Ziquette. Je vais en profiter pour aller la voir. Je vous confie Loïc. Hein ? Vous le prévenez pour le bac ? Ou avec lui, pas de problème. Il a forcément le pied marin. Mais moi aussi, Hélène. Moi aussi. Bonjour. C'est le petit, il est là. Ça lui fait mal depuis longtemps? Ça a commencé hier. Il a de la fièvre? Je sais pas, j'ai pas de thermomètre. Vous savez, j'ai pas l'habitude. Bonjour. Tu t'appelles comment?
Kevin. Et lui, comment il s'appelle? Musclor. Musclor. Bon, Kevin, je vais te prendre ta température. Je vous ai jamais vu sur l'île. Vous êtes en vacances? Oui. Enfin, on vit sur le continent. Je viens ouvrir la maison de temps en temps. Tu me donnes ton oreille? Montre-moi ton ventre. Tu aimes bien venir ici? Hein? Le bateau, la pêche, les crevettes, c'est plutôt sympa, non? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Des pâtes, hier aussi. La cuisine, c'est pas mon fort. Aïe! Ça te fait mal quand j'appuie là? Oui. Il n'a pas vomi? Non. Diarrhée, constipation? Non. Tu as souvent envie de faire pipi? Oui. Vous avez un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, docteur. Dites, le ventre est dur et douloureux, je pense qu'il s'agit d'une crise d'appendicite. Mais qu'est-ce que je dois faire, docteur? On va le ramener sur le continent. Alors Yannick passera vous chercher pour le bac de 17h30. Mais vous serez là? Oui, ne vous inquiétez pas, je serai là. Pour l'instant, il ne risque rien, je vais lui donner un calmant. Je vous laisse un thermomètre, comme ça vous lui prendrez sa température et vous m'appelez si ça dépasse 38. Alors Gaëlle, ses vacances? Ah, c'est super. Ta grand-mère est là? Oui, elle vous attend. Mais vous savez, elle a de plus en plus mal à la jambe. Je vais voir ça. Ah, docteur. Alors Ziquette, ça ne s'arrange pas cette arthrose? Bah, vous savez, avec ce temps, enfin quand Gaëlle est là, c'est pas grave. Elle m'aide. Je suis une bonne petite, vous savez. Oh, je dois dire, dès que je commence à avoir mes douleurs dans la jambe, ça veut dire qu'il va faire mauvais. Alors avec ce qu'on nous annonce, je suis sûre que je vais déguster. Alors. Votre tension est un peu élevée? Ah bon? Il y a longtemps que vous avez fait des analyses de sang? Oh, ça fait une bonne dizaine d'années, pourquoi? Il faudra en refaire. Bon. C'est Gaëlle? Oui, avec sa mère. La photo a été prise quelques jours avant l'accident de ma fille. La petite avait 5 ans. Elle a l'air très attachée à vous. Vous savez, dès qu'elle pouvait, elle venait se réfugier ici. Elle a passé des heures enfermée dans la chambre de sa mère, sur les genoux d'Yannick, sans dire un mot. Il n'y avait que lui qui pouvait l'approcher. Moi, j'ai tenu grâce à elle. Enfin, pour elle. Voilà, tenez. Et surtout, vous ne faites pas comme pour les examens de sang, hein? Vous n'attendez pas 10 ans avant de prendre les médicaments. Donc, je vous promets, docteur, j'enverrai Gaëlle à la pharmacie. Bonne journée. Vous aussi. Au revoir, docteur. Erwan! Hop, enlève tes bottes. Jamais de chaussures sur un bateau. Excuse-moi, je les enlève tout de suite. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je pensais te faire un petit coucou. C'est gentil, ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Je travaille. Encore? Attends, mais t'arrêtes pas, toi. Bah ouais. Tu préférais pas aller te balader? Ah bah si, comme tout le monde. Alors tu vois, faut absolument que je profite de l'hiver pour m'avancer, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres? Ouais. Allez. Tu penses que tu l'auras fini quand? Bon, je sais pas. 2 ans et demi, 3 ans. Oh bah dis donc, t'as de la patience. Hein. Moi, je serais incapable d'attendre 3 ans pour un truc que je voudrais vivre demain. Ah, mais la patience, ça s'apprend. Hein. Tu sais, plus t'attends quelque chose, et meilleur c'est quand tu l'obtiens. Puis parfois, j'ai des visites agréables, regarde.
Tu voudrais pas faire une pause maintenant? Maintenant, là? Allez, t'as raison. Pause. Ah non, je disais ça parce que j'aimerais bien te montrer mon coin secret. Ah mais moi si je m'arrête tout le temps, je serai jamais prêt. Et quand est-ce que je vais faire mon grand tour du monde? Tu vas le faire vraiment? Ah bah ouais. Mais tout seul? Tout seul je sais pas, mais ce que je sais c'est que je vais le faire, ça c'est sûr. Ah, tu m'emmèneras quand tu partiras. Tu verras, je serai un bon petit matelot. T'as envie de partir toi? C'est mes cours de voile qui t'ont donné envie de voyager comme ça? Ouais, peut-être, ouais. Tu pars. D'ici à ce que mon bateau soit terminé, t'auras d'autres projets, tu n'auras même plus me voir, tu m'auras oublié. Non, ça m'étonnerait. Ah, docteur. Dites donc, j'ai entendu à la radio pour l'incendie. C'est la loi des séries. Une fracture ouverte, un ferry en flammes. Le Dantec, vous voyez où c'est? Jean-Yves, on était à l'école ensemble. Bon, son fils est malade. Vous pourriez passer le prendre quand le bac sera là? Parce que je le renvoie sur le continent avec le marin. Le petit Kevin? Oh, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je serai à l'heure. Bon, je vais voir votre mère. D'accord. Vous connaissez le chemin? Dites donc, ça va souffler. Ils annoncent un coup de vent force neuf à la radio. Force neuf? Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Choisis le coin le plus tranquille. Non, mais justement, c'est parce que c'est dangereux que ça me calme. Ah ouais. C'est quand même un petit peu bizarre, toi. Quand j'étais petite, je tannais ma mère pour qu'elle me raconte la légende du courant loup. Un courant qui, des infortunés, ne fait qu'une bouchée. J'ai froid, Erwan. On va rentrer avant de se prendre la sauce, hein. Tu viens me chercher alors. Allez, viens. Bonjour. Alors, comment ça va aujourd'hui? Oh, comme une vieille chaise. Eh ben, je vais vérifier ça. Alors, inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Il faudrait quand même vous décider à vous faire opérer. C'est rien du tout d'enlever un calcul maintenant. Pas question. De mon vivant, je ne quitterai pas mon île. Moi, c'est bon pour les jeunes de traverser. Pour un oui, pour un non. En tout cas, vous souffrez pour rien. Vous risquez une infection grave. Pensez donc. J'ai mes tisanes. Erwan me ramasse des plantes sur l'île. Je tiens les recettes de ma mère, une centenaire. Et puis, si ça va vraiment pas, le docteur m'a donné des trucs. C'est là, regardez dans le tiroir. Vous ne devez pas en prendre souvent? Voyez bien, on est costaud ici. Il n'y a pas de danger que la médecine nous rende malade. Excusez-moi. Oui, allô? D'accord, j'arrive tout de suite. La tension a chuté. Le pouls est accéléré, on lui fait du plasmion. Loïc? Vous m'entendez, Loïc?
Vous allez l'embarquer avec tout ce matériel? Oui, et vous allez m'accompagner. Oh non, Pierre, vous savez que j'ai le mal de mer. Je suis désolé, mais il faut aussi qu'on embarque le petit qui a mal au ventre. On sera jamais trop de deux. Et qu'est-ce qu'on fait avec le cabinet? On transfère la ligne chez Yannick. Voilà, tout va bien, Loïc. Je vais voir comment vous installer pour la traversée et je reviens vous chercher. T'es folle, hein, t'aurais pu faire un malaise. Hein. Qu'est-ce que tu voulais me prouver, toi, juste? Je voulais rien te prouver, je voulais que tu viennes me chercher. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, ça a marché. Tiens, mais ça devrait t'aller. Merci. Mais à quelle heure elle débarque, ta copine, au fait? Attends, faut que je me dépêche, je dois aller la chercher, là. Je peux te laisser mes fringues? Ouais, ouais. Non. Oh, écoute, arrête. Je te dis que non, mais c'est pas que je veux pas, il dort, là. Oui, bah, je rappellerai tout à l'heure. Bon, écoute, je te laisse. C'est ça. Je suis content que tu sois là. Pour une fois que je prends le petit, c'est bien ma veine. Ah bah écoute, c'est pas de ta faute. Ah, c'est pas ce que dit sa mère. Pourquoi ça s'arrange pas entre vous? Elle vient de m'engueuler au téléphone, elle dit que c'est ma faute, son fils est malade, son fils. Comme si c'était pas le mien. Ça aurait pu très bien arriver avec elle, non? Elle me fait vivre un enfer. Écoute, fais attention à ce que tu dis devant Kevin, il est pour rien, lui. J'ai même pas osé lui dire qu'il allait se faire opérer. C'est pour le bac, il va pas tarder. Tu peux pas m'aider à finir le sac? Si. Je ne manquerai plus que j'oublie quelque chose. Allez, calme-toi. Alors, bon, je mets ça, tu vas aller. Tout ce qu'il faut, ça va. Alice! Salut! Oh, ça va? Ouais, et toi? T'as fait ton voyage? Ah, je me suis cramponnée à mon siège pendant toute la traversée. T'as vu ça? Ah, ouais. J'ai cru qu'on allait avoir droit à un naufrage. Ah ouais, et tu te voyais déjà arriver à la nage, hein? Exactement. Eh, hey, dis donc, t'as un nouveau look. Ouais, comment tu trouves? Pas très féminin, hein, mais bon, pourquoi pas? Ah bah attends, c'est normal que ce soit pas féminin, c'est un homme. Un homme? Ouais. Oh, enfin. À quoi, enfin? Non, rien, tout le temps. Bon, écoutez, y a pas un hélicoptère de disponible, alors je prends leur transport sous ma responsabilité. Ok, si vous insistez. Allô, oui, c'est Simon à l'appareil, là. C'est le médecin de Lille, là, qui veut embarquer avec deux malades. Ah, ah. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Refus catégorique du patron. Il y a un avis de tempête et il n'y a plus de sortie en mer. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je ne peux rien faire pour vous. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Et vous ne trouverez pas un marin qui prendra le risque de vous emmener. Bon, merci. C'est constamment occupé chez le Dantec, je fais un saut là-bas. Pas de nouvelles pour l'hélicoptère? Bah, je vous l'aurais dit, Pierre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Gardez le moral, je compte sur vous. On en a vu d'autres, non? On en a vu d'autres, mais on n'était pas perdu sur une île. Tu sais bien comment sont les médecins, ils veulent pas prendre de risques. C'est pour ça qu'ils veulent mettre en observation à l'hôpital. Mais non, c'est pas grave, c'est juste un petit dérangement intestinal, c'est tout. Eh oui, je fais attention. Écoute, c'est déjà assez pénible comme ça. La peine de m'engueuler, en plus. Eh ben, c'est ça, parle-en à ton avocat. Bon, je te passe ton fils. Tiens, chérie, c'est ta maman. Allô, maman? Je suis en train de faire un hélicoptère en Lego avec Ziquette. Je t'aime. Bisous, je te repasse, papa. Allô? Écoutez, finalement, Kevin va partir en hélicoptère. Mais pourquoi? Il va très bien. J'ai pris sa température, il n'en a non, pas. Non, mais le bac ne peut pas partir à cause de la tempête. Ah. Et il vient quand, l'hélicoptère? Ben, il faut attendre jusqu'à demain. Alors d'ici là, Kevin doit se reposer. Le plus dur pour lui, ça va être de rester à jeun. Alors surtout, vous ne cédez rien, même pas un bonbon. J'ai tout entendu.
Tu me promets, hein, tu vas être raisonnable. Ouais, promis. Alors, ça te dit un tour en hélicoptère? Super. Allez, on va la vérifier, cette fièvre. Alors ça tombe mal. Vous le connaissez bien? Oh, on se connaît tous ici. Je suis cousine avec sa mère. C'est un peu comme un petit frère. Vous croyez qu'il va tenir le coup? Il est capable de tout pour son fils. C'est pas que ça me gêne vraiment pour marcher. Oh, salut les filles! Je vous présente Alice, ma Bonjour, copine. Bonjour Alice. Ziquette, ma grand-mère, et le docteur Sylvain. Bienvenue à la maison. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je t'expliquerai. On m'a prêté des fringues parce qu'elles étaient mouillées. Oh, bon? Époque, on n'était pas aussi tête en l'air, et vous? Ah, moi, j'étais parfait. Je le suis toujours, d'ailleurs. Eh ben, restez donc manger mon ragoût à la maison. Non, je vous laisse en famille. Ah, vous avez tort. Il est cuit au baudet. C'est une recette formidable. Baudet? Oui. Alors, c'est une recette locale. Ah, on fait revenir... Merci. On mettra ça plus tard, hein. Entrez au chaud. D'accord. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. Moyen de lui faire avaler quelque chose. Dans son état, on peut comprendre. Pauvre Loïc, je le trouve bien fatigué. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas autre chose que la douleur? Vous lui avez bien remis des antibiotiques? Évidemment. Je crois qu'on ne peut pas le laisser sans surveillance. Je vais installer Ali de camp à ses côtés. Je prends le premier car. Qu'est-ce qu'on mange? Oh. Après tout ce qui s'est passé, ça vous fera pas de mal. Quand je pense que j'ai refusé un ragoût au baudet... Docteur? 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 Ah, je suis là, Loïc. Faites quelque chose, c'est insoutenable. Je vais vous donner quelque chose. Vous allez vous sentir mieux dans quelques minutes. Respirez à fond. Voilà, respirez. Oh là là, j'ai pas mérité de souffrir comme ça. Ça va aller. Vous savez qu'on a eu Mathilde au téléphone? Ah bon? On l'a rassuré. Vous vous êtes rencontrés où? Elle a crié. Vous étiez fait pour vous entendre. Voilà, c'est fini. Vous la connaissez depuis longtemps? Non. J'ai pas envie de mourir. Je vais pas mourir. On ne meurt pas d'une fracture, Loïc. Essayez de vous reposer maintenant. Et toi, ton amoureux? Tu le connais depuis longtemps? Ouais. Plus d'un an? Ouais. Oh bah d'accord, tu m'en avais jamais parlé. T'es amoureuse? Ah ouais, grave. T'as déjà prise dans ses bras? Bah évidemment. T'as vu toute nue? Ouais. Attends, vous avez vraiment couché ensemble? Complètement? Bah quoi, c'est normal si on s'aime. C'était comment? Écoute, Alice, tu m'énerves maintenant, je suis pas obligée de tout te dire tout le temps. Gaëlle! Mmh. Il a mis un préservatif? Ok, bonjour l'ambiance. Attends, t'es en train de me dire qu'il en a pas mis, c'est ça? Et t'as rien demandé? Écoute, on s'aime, c'est ça qui compte, non? Ouais, d'accord, il en a pas mis. T'es complètement folle, hein? Tu couches avec un type et tu prends pas de précautions. Tu sais que tu peux attraper le sida, il suffit d'une seule fois. Puis t'as pas imaginé que tu pouvais tomber enceinte aussi. Ça, j'aimerais bien. Hein? Mais t'es complètement cinglée. Quoi? Ma mère, elle m'a bien eu à cet âge-là. Mais ta mère, c'est pas pareil, ta mère! Puis d'abord, il y avait pas le sida à cette époque-là. C'est qui, ce type? On sait même pas avec qui il était avant toi. Écoute, Alice, arrête de crier. Erwan, je sais que c'est un type bien et il a fait attention.
C'est un type bien. C'est une maladie. Ça n'a rien à voir avec être bien ou pas être bien. T'es bête ou quoi? Je viens de te dire qu'il avait fait attention. Il a fait attention. Comment? S'il est même pas foutu de mettre un préservatif. Bon, c'est qui ce type? Il est où? Je vais aller chercher, moi. Thélie, tu me gonfles, là. D'accord. Typique Gaëlle, la politique de l'autruche. Ah bah, l'autruche, elle commence à être fatiguée maintenant et elle aimerait bien dormir, si c'est possible. Non, mais c'est sérieux, Gaëlle. Écoute, arrête-toi un peu. Tu vois des catastrophes partout. Tu me fatigues, alors. T'es vraiment inconsciente. Vite, docteur. Kevin a vomi et il a de la fièvre. J'arrive. Voilà, ça ne t'a pas fait mal? Non. Ouais. Tiens bien le côté. Je serais plus tranquille si Kevin était dans mon cabinet en attendant son transfert. Mais vous lui avez donné tout ce qu'il faut, là? J'aimerais le mettre sous perfusion. Sous perfusion? Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave une perfusion. Simplement, comme les boissons lui sont interdites, je préfère éviter tout risque de déshydratation. Il faut que j'en parle avec lui, je veux pas qu'il panique. Laissez-moi du temps. Bonjour docteur. Pour le petit, c'est pas grave. Ah ben les nouvelles vont vite, hein. Ben, disons que ça serait plus simple si on était sur le continent. Ah, ici, il faut être prévoyant. Vous voyez quoi, par exemple? Depuis mon pontage, j'ai toujours 3 mois d'avance anticoagulant. Ben, félicitations. Ah, dites, vous pensez que ça va durer encore longtemps? Ah ben, il y a 2 ans, on a été stoppé pendant 1 semaine et demie. Au revoir, docteur. Attends, je vais t'aider. Reste assis, ça me fait faire de l'exercice. Alice dort encore? Oui. Je vous ai entendu parler tard hier soir. Ah, mais t'as pas écouté? Oh, bah tu sais bien que je suis à moitié sourde. À propos, tu n'oublieras pas d'appeler ta belle-mère au téléphone, hein, j'ai promis. On s'est déjà parlé avant-hier. Gaëlle, tâche de faire un effort. Elle est gentille avec toi. Mais ben justement, faut toujours qu'elle en fasse des tonnes. Elle t'aime beaucoup. Comme une maman. C'est ça. Ça va faire 10 ans bientôt. Je sais. Tu lui ressembles de plus en plus à ta maman. Salut! Bonjour. Oh la vache! Oh le temps pourri! Qu'est-ce qu'on va pouvoir foutre de toute la journée? Je vais déjà vous faire des crêpes. Je crois qu'il doit me rester un pot de confiture de framboise dans l'armise. Je sais pas toi, mais moi j'ai une de ces fringales. C'est normal. L'amour ça creuse, hein? Docteur, qu'est-ce qui vous amène? J'ai un service à vous demander. Oui. Est-ce que vous pourriez convaincre le Dantec d'amener Kevin à mon cabinet? Pourquoi? Ça va pas? Non, mais avec la tempête, on ne sait jamais. Si les lignes téléphoniques sont coupées et que le Dantec essaie de me joindre, je préfère que Kevin soit chez moi. Bon, bah, je vais essayer, mais il est têtu, vous savez. Merci. En sécurité là-bas. S'il fait, c'est quelqu'un de sérieux, je t'assure. Écoute, arrête de pleurnicher comme ça, enfant, écoute. Une appendicite de nos jours, c'est rien du tout. Mais tu l'as eu, toi? Ah oui. Oh là là, vous les hommes. Le moindre bobo, c'est tout de suite la catastrophe. Mauviette, va. Docteur? Oui. Dites,
que moi je vais rester paralysé? Quelle idée. Encore un peu de patience et vous danserez comme un pro. Non, c'est sympa d'essayer de me rassurer, mais je suis marin. Moi, Lise, je la connais par cœur. Cette putain de tempête, ça peut durer des jours. Je peux rester bloqué là. Alors dites-moi, d'homme à homme, les yeux dans les yeux. Va falloir me la couper, ma jambe. J'ai la gangrène, là. Non, on va attendre l'hélico. Tout a été fait pour éviter l'infection. Vous viendrez vérifier de temps en temps, quand même. Mais oui, reposez-vous. Oh! Ça va? Salut Erwan. Tiens, c'est l'hermède pour la tente. Hey. T'as un petit café? Hey. Oui, allô? Oui? Très bien, j'arrive. Tu peux me garder le bistrot une seconde? Faut que j'aille chercher le fils le Dantec. Pourquoi il est arrivé, l'hélico? Pas encore, mais faut que j'emmène le moum au cabinet médical. Ah bon? Hey. À tout à l'heure. Ouais. Allez, vite! Allez, viens, écoute! Oh, mais lâche-moi! Lâche-moi, je te dis! Je suis sûre qu'il n'y a rien à craindre, de toute façon. Ah, comment tu peux savoir? Écoute, c'est important, merde, hein! Oh, mais écoute, laisse tomber! Ça va pas, non? Bon, écoute, t'as l'intention de le croire, ton copain? Bah, évidemment! Bon. Alors, même en admettant coup de peau qu'il n'est pas séropositif, il n'est peut-être pas non plus stérile. Faut au moins que tu prennes la pilule. Ouais, mais... De toute façon, faut que tu y ailles, hein! Ça, je suis d'accord, bah, ouais. Vas-y! Tout un tas de questions. Bah attends, mais c'est un tout bib, c'est pas un flic. Allez, vas-y, je t'attends. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Alice. Ah. Ouais, elle pense que je devrais prendre la pilule. Bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je viens d'avoir 16 ans, alors... Bon, je peux te faire une prescription? Mais ça serait bien si tu étais suivi régulièrement. Tu es un médecin traitant? Oh non, je suis jamais malade. Je crois que la dernière fois que j'ai fait un vaccin, c'était ici. Bon, bah écoute, après, t'iras au planning familial. Ah non, mais c'est que ça serait pour maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Mais tu peux me parler, hein, ça sortira pas d'ici. Bah voilà, j'ai couché avec mon copain et il a rien mis. Et ça date de quand? Hier. En fait, tu es venu pour la pilule du lendemain. Mmh. T'as bien fait. Mais tu sais, c'est pas une contraception. Dans ce domaine, on a la chance de pouvoir prévenir. Alors profites-en. Tiens, tu prends un cachet de ça maintenant et un autre dans 12 heures. Si jamais tu as mal au cœur, prends deux comprimés de ça. Merci. Je sais qu'on peut pas toujours prévoir. Mais tu as pris un gros risque en ayant une relation sexuelle sans préservatif. Tu en as parlé avec ton copain? Non. Tiens, voilà pour les prochains jours. Faut vraiment les utiliser. D'accord. Demande à ton copain s'il est sûr de lui. Ce serait bien qu'il fasse un test. Je vais te faire une ordonnance pour un test. Non, c'est pas la peine, hein, vraiment, je le connais bien. Mais personne n'est à l'abri. Ni lui, ni toi, ni les autres. C'est gay. Dites, vous répéterez rien? Secret médical. Cabinet médical, bonjour. Oui. Oh, très bien. Et dans combien de temps? D'accord. Vous me rappelez, on se prépare. Reviens me voir quand tu veux. Au revoir. Au revoir. Oui. Attendez, ne quittez pas, je vous passe le docteur Sylvestre. On a un hélico. C'est le médecin de garde qui veut vous parler. Allô? Oui, bonjour. Ah ben, on n'y croyait plus, hein. C'est bon, ça y est? Ouais, ça tombait bien, il en avait sur lui. Tiens, t'as pas une bouteille d'eau? Si. Tiens. Merci. C'est Jean-Yves. Bienvenue, des gentils, docteur. Salut Jean-Yves. Bon, Kevin, qu'est-ce qui t'arrive? Et les filles, qu'est-ce que vous faites là? C'est Alice, elle avait besoin de quelque chose. Bon, faut qu'on y aille là. À plus tard.
appeler, l'hélicoptère ne va pas tarder. Enfin, je peux téléphoner. Oui, bien sûr, allez demander à Hélène. Alors, comment tu te sens? Je veux voir ma maman. Ne t'inquiète pas, tu vas la voir bientôt. C'est bien dommage que vous nous quittiez, docteur. Oui. On s'est attachés. Paris que vous avez eu des ennuis avec la tempête. Oh, je me souviens. Oui, oui, je sais, il y a 2 ans. Oui, mais pendant la guerre aussi. 1 mois, ça a duré. Bon, allez, au revoir, hein? Madame Barrel. Hein? Et puis surtout, vous suivez bien votre régime. Pas de graisse, oui, pour le cholestérol. Je sais, mais le beurre salé, c'est pas de la graisse. Allez, au revoir, docteur. Allez vous reposer. Je vous préviendrai quand il sera réveillé. Docteur, il risque rien. Les secours vont arriver. Il sera bientôt hors de danger. Non, mais là, maintenant, il risque rien. On fait notre maximum. Oh! J'ai super mal, là. C'est plus tenable. Cabinet médical, bonjour. Bon, je vais vous faire de la morphine. Ça vous calmera le temps du transport. Ah, merci. Docteur, on vous demande au téléphone. Vous pouvez lui faire la morphine? Oui. Non, je ne m'énerve pas. Je suis simplement en train de vous expliquer ce qui se passe. Alors, ou vous vous débrouillez pour appliquer, ou alors on a un gamin qui risque de mourir d'une péritonite aiguë. Oui. Et en plus, il y a un blessé avec une fracture ouverte. Je vais bientôt être à court de médicaments et de calmants. Alors, je fais comment, moi? Ouais. C'est ça, on se rappelle. Isabelle. Trouvez-moi le chirurgien de garde, c'est urgent. Oui, je l'appelle tout de suite. Merci. Hélène, attendez! Qu'est-ce qui se passe? L'hélicoptère n'a pas pu décoller. On est bloqué? Oui, je le crains, oui. On garde la dernière dose. Bourrez-moi ma piqûre. Écoutez, on va vous donner autre chose. Quoi? Mais vous aviez dit que la morphine, c'est ce qu'il y avait de mieux. Oui, je sais, mais j'en ai besoin pour le petit Kevin. Mmh. Quoi? Mais il s'en fout, il n'en a pas besoin, il dort. Les secours ne peuvent pas arriver. Quoi? Oui. Alors écoutez, on a d'autres antidouleurs. Hein. Ils sont un petit peu moins puissants, mais ils sont efficaces aussi. Ne vous en faites pas. J'ai trouvé ce qu'il faut. Allez, tenez bon, Loïc. Hein. Tenez bon. Je compte sur vous. Ouais. Je voudrais pas paniquer, Kevin. En tout cas, moi, je prendrai pas la responsabilité. Cet oubli, on sait pas ce qu'ils vont. Dans l'état où le gamin, ou bien il opère malgré les risques que ça présente, ou bien il signe le certificat d'essai. Mais peut-être que Sylvestre panique un peu. Il n'a que des paramètres cliniques, c'est pas suffisant pour prendre une décision pareille. Je sais que vous ne prendriez pas de décision opératoire à chaud. Mais c'est pas mon domaine, et le sien non plus. S'il y a la moindre complication... J'en prends la responsabilité, je donne le feu vert et je l'assisterai par téléphone. Oui, après tout, c'est vous le chirurgien. Vous faites ce que vous voulez. Reportage sur la route entre La Rochelle et Saintes, Jean-Paul Baume et Claude Lepioux. C'est un voyage semé d'embûches à travers une Charente maritime livrée au chaos. La tempête s'est abattue. Cette fois-ci, on est bon. Je te l'avais dit. Avec un vent de 55 nœuds, cette nuit, on passera pas. Allez, faut que j'y aille. Allez. Salut. C'est ça. Gaëlle. Erwan, je t'aime. Non, mais t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut, il n'y aura pas de risque. Ah, mais c'est pas le problème, Gaëlle. À quoi tu joues, là? Je joue pas. Je t'aime. À
Moi aussi, je t'aime, mais... Mais je t'aime comme une petite sœur, Gaëlle. Et on couche pas avec sa petite sœur. Je crois qu'il vaut mieux que tu rentres chez toi, là. D'accord ? Ok, passez-moi le chirurgien. Et merci de me soutenir. Oui, Sylvestre, mais l'opération est le moindre risque. Ben, sauf que vous êtes chirurgien et moi pas. Vous savez qu'un généraliste a le droit de pratiquer une appendicectomie. Oui, je sais, oui. Rappelez-vous votre internat, Sylvestre. Montez-le en orthopédie. Et vous avez sûrement fait un stage aux urgences. Ouais, enfin, ça date quand même pas d'hier. Je vous ferai du radioguidage. Vous avez une assistante ? Oui, elle est infirmière. Bon, c'est une bonne nouvelle. Dans un premier temps, vous me rendez la pièce aussi stérile que possible. Je voudrais pas être alarmiste, mais il faut prévoir du sang. On reste en contact. D'accord. À plus tard. Hélène, qui a dit à cœur vaillant rien d'impossible ? Ça pourrait être vous. On l'opère, c'est ça ? Oui, on ne peut plus attendre. Comment vous allez l'endormir ? On a de l'éther. Il n'y a rien pour ventiler. On s'en passera. Allez, au travail. Vous stérilisez tout au maximum et on commencera par lui donner des légers sédatifs. Hein ? Loïc, ça va ? Il tient le coup ? Il a compris que le petit, c'est grave et il serre les dents. Alors, docteur, on en est où ? Vous connaissez le groupe sanguin de Kevin ? AB moins. Vous êtes sûr ? Oui. Bon, je reviens. Le petit, il est AB moins. AB moins ? Avec 5% de la population du même groupe, ce sera pas facile de trouver un donneur. Vérifiez dans le fichier, je suis sûr que j'ai vu passer un AB moins. On peut pas avoir que des emmerdes quand même. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Asseyez-vous, j'ai besoin de vous parler. Il t'est arrivé quelque chose à Kevin ? Non. Kevin dort paisiblement à côté. Je vous en prie. Voilà, le problème c'est que l'hélicoptère ne pourra pas arriver à temps. Alors j'ai pris la décision d'opérer votre fils. En accord avec l'hôpital, bien sûr. Mais c'est de la folie, docteur. On n'a pas le choix. Vous êtes chirurgien ? Écoutez, Kevin risque de faire une péritonite aiguë. Je vous assure qu'on a fait le tour du problème et qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous avez un enfant, docteur ? Vous aviez raison. La petite Gaëlle, elle est AB moins, elle aussi. Merci. Quelque chose ne va pas ? C'est un métier impossible. Je suis sûre que vous allez bien vous en sortir. À propos, il va nous falloir l'accord écrit de l'Eudantec. J'ai été incapable de le rassurer. Mais tout va bien se passer. Vous allez l'opérer, on va réussir. Et puis, on en a fait d'autres. Rappelez-vous, la trachéotomie. J'y vais. J'ai apporté des petits livres pour Kevin. Oui, il faut trouver Gaëlle d'urgence. Pourquoi, elle est malade ? Non, on va opérer Kevin. Ben faites pas cette tête-là. Ils sont très bien à l'hôpital. Non, vous n'avez pas compris, on va l'opérer ici. Ici ? Oui, alors au cas où il faudrait transfuser, j'ai besoin du sang de Gaëlle, elle est du même groupe que Kevin. Ah bon ? Je m'en occupe, je vous la ramène. Vous inquiétez pas. Merci. Ouais.
Pierre, venez m'aider, s'il vous plaît. Il faudra mettre le téléphone en haut-parleur le plus près possible du champ opératoire. Yannick va s'en occuper. Je prends un gros risque. Peut-être qu'il vaudrait mieux attendre. Vous savez bien qu'on ne peut pas attendre. Vous avez raison, tout ira bien. Ça va aller, mon bébé. Papa va prendre les choses en main. Procurer des masques tout neufs de peintre. Ça nous servira de masque opératoire. On a des anticoagulants pour conserver le sang. Oui, il y en a dans le stock. Comment vous allez l'ouvrir? Oh, c'est pas le plus compliqué. On a des scalpels. Et Loïc, vous croyez qu'il va tenir? Chaque chose en son temps. Qu'est-ce que tu fais là? Je prends les médicaments, maman. Oui, c'est mes médicaments, j'en ai besoin. Tu t'en sers jamais, c'est pour le docteur. C'est lui qui t'a demandé? Oui, je dois les porter à son assistante. Tu aurais dû m'en parler avant. Mais tu dormais, maman. Mais tu aurais quand même dû me le dire. Je n'ai pas te réveillé. Et puis toi, tu as des plans, tu t'en sers jamais. Hein? Allez, dors. T'es sûr qu'il travaille pas sur son bateau? Bon, non, non, ça fait rien, je me débrouille. Ah, ça tombe bien. Justement, j'essayais de te joindre. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as pas vu Gaël? Si. Ah. Enfin, non, pas là. Pourquoi, qu'est-ce que tu veux? Le docteur Sylvestre a besoin de son sang. Au cas où. Mais impossible de mettre la main dessus, elle est ni chez Ziquette, ni nulle part. Pourquoi du sang? Le petit Kevin. Péritonite. Il doit l'opérer. T'as pas une idée d'où elle est? On sait jamais ce qui lui passe par la tête à cette gamine. Mais elle est pas avec sa copine, là? Non, je te dis. À plus. Tiens, serre-toi, je reviens. Tu gardes la boutique. Le Dantec et son fils,
qui sont sur le bateau, il va faire une connerie. Et vite. Et bien sûr, je le retiens. Gaël ? Toujours pas de nouvelles, on continue les recherches. Mobilisez vraiment tout le monde, hein. Je pourrais pas commencer l'opération de Kevin avant d'avoir son sang. Il est brûlant. Vous allez le sauver, docteur. Je ferai l'impossible. Moi aussi, j'étais prêt à faire l'impossible. Mais j'ai rien pu faire. Écoutez, je suis médecin. Je serai en liaison téléphonique permanente avec le chirurgien de l'hôpital. Je peux l'opérer. Alors faites-moi confiance. Tu vas voir mon grand. Bientôt tu n'auras plus mal. Tu sais, j'ai un petit-fils qui a le même âge que toi. Vous lui remettez les antibiotiques. Mais où est-ce qu'il est, ton petit robot ? J'ai dû l'oublier sur le bateau. Je vais le chercher. Il va bientôt revenir, mon papa. Mais oui, ne t'inquiète pas. La fièvre ne tombe pas d'un poil. Il est vraiment pas sympa. Qui ça ? Bah, l'appendicite. Elle m'a gâché mes vacances avec mon papa. T'as raison, c'est pour ça qu'on va te l'enlever. Mais si on m'enlève, il va me manquer quelque chose. Non, l'appendice, ça sert pas à grand chose. Alors pourquoi on a quelque chose dans le ventre qui sert à rien et qui fait mal ? Ah mais ça servait avant, du temps des hommes préhistoriques. Et puis c'est resté là. Et ça leur servait à quoi ? À digérer les mammouths. Les mammouths ? Ils mangeaient des mammouths. Seulement un mammouth, c'est pas facile à digérer, alors l'appendice, ça aidait. Allez, faut te reposer maintenant. Encore une autre histoire. Je vais te chercher Hélène, hein. Elle en connaît plein. Attends, je voudrais te dire quelque chose rien qu'à toi. Oui. Peut-être que ça serait mieux si c'était toi qui parlerais à maman. Promis. Ah, j'en peux plus. Je sais, Loïc, je sais. Essayez de tenir. En tout cas, la tension est stable. Ah ouais, mais faites quelque chose. J'ai envie de me l'arracher, ma jambe, là. Je vais vous envoyer Hélène. Elle va vous faire faire des mouvements respiratoires pour vous calmer. Ah ouais, votre sophro machin, là, c'est un truc pour amuser les bonnes femmes, ça. Essayez quand même. Jean-Yves, je viens d'avoir votre femme au téléphone. Je lui ai expliqué la situation. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Vous devriez la rappeler. Écoutez, elle m'a donné son accord pour l'opération. Maintenant, j'ai absolument besoin de votre autorisation écrite. Je sous-signe. Docteur ? Hélène, docteur ? Docteur ! Oh.
Le pouls est encore accéléré. Pierre, la morphine. Bon, on le remet sous placement. Oui. Alice, si tu sais quelque chose, tu dois me le dire. Je vous jure, je croyais vraiment qu'elle était avec Erwan. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Je comprends pas. Je sais pas ce qui lui a pris. Ma petite gueule. Bon, écoutez, je vais la chercher. Ah non, non, ça va comme ça. Toi, tu restes ici, tu m'entends? Tu connais pas. Me chercher? Non. Ça te coûtait pas grand-chose de me répondre oui. C'est vrai, mais je t'ai jamais menti. Alors, sans me mentir, tu m'as trouvé ridicule? Mais non. Ma petite sœur. De toute façon, j'ai réfléchi, t'es trop vieux. T'as raison. Mais au fait, pourquoi t'es venu alors? Parce que tout le monde te cherche, on a besoin de toi. C'est le petit Kevin, le docteur va l'opérer sur place. Kevin? Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Il y a que ton groupe sanguin qui soit compatible. Quoi? Mais alors il faut qu'on y aille. Pour une fois que quelqu'un a besoin de moi, je vais pas le faire attendre. Allez, dépêche-toi! J'ai trouvé des antispasmodiques. Formidable, Yannick. Et à qui on le doit? Au calcul rénal de ma mère. Mais dites donc, vous en avez un stock? Et pour Loïc, j'ai trouvé que ça, mais c'est de la bonne. Ouh! Ah, ça, pour de la bonne, c'est de la bonne. Ça fera l'affaire, merci. On n'a toujours pas retrouvé Gaël. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Vous l'aimez beaucoup, cette petite, n'est-ce pas? À vous, je peux bien le dire, Hélène. Sa mère était mon seul amour. Mais elle a préféré un gars du continent. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec le petit? L'opérer. C'était pour ça, la morphine. Peu importe, maintenant. C'est de ma faute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Surtout, ne pas bouger. Les réserves ne sont pas inépuisables. Il faut tenir jusqu'à demain. La nuit sera longue. J'ai une surprise pour vous. Merci. Je peux me rendre utile? C'est une bonne idée. Il faut vous occuper, Jean-Yves. Tourner en rond, ça ne vaut rien. Tenez, prenez la javel, vous me la versez dans le faitout. Gaëlle est revenue? Elle ne va pas tarder. Vous voulez me passer des bonnets, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Les stériliser, comme le reste. Je vais vous charger d'une mission. Pendant l'opération, on aura besoin de sérum. C'est là, chauffé au bain-marie. Si vous pouviez surveiller, ça me rendrait service. Donne-moi le casque, je vais aller rassurer Ziquette, moi. Tiens. Il
Il faut qu'on se parle tous les deux. Oui, je sais. Erwan m'a dit que vous aviez besoin de mon sang pour Kevin. Ouais, enfin, c'est juste une précaution au cas où. Est-ce que tu es d'accord? Bah, sinon, je serais pas venue. Bon. Alors, si tu es d'accord, maintenant, il faut que tu m'expliques autre chose. Quoi? Tu es venue ce matin. Tu m'as dit que tu avais eu une relation sexuelle avec un garçon. Je vous ai menti. J'ai jamais eu de petit copain. Alors vous pouvez être tranquille pour le sida. Attends, Gaëlle. Là, tu me dis la vérité. C'est très important. Oui. C'est la vérité. Bon, on va voir Hélène. J'ai quand même avalé une des pilules. Ah, mais c'est pas grave. Enfin, évidemment, tu évites de prendre la deuxième. Je vous la rends? Oui. On y va? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir là, je vais retirer l'appendice, puis je vais refermer. Hein? Puis toi, tu sentiras rien parce que tu dormiras. C'est quand l'hélicoptère? Après. Quand vous voudrez, Pierre. La perfusion est faite. Bon, prévenez l'hôpital, on y va. Ah, docteur, je vous apporte un phare wallet. Oui. Je vous l'avais promis pour votre départ. Bon, merci. Merci, au revoir, madame Barrel. Et le petit Kevin, il en est où? Ne vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains. Oh, allez, rentrez chez vous, passer. Il est tard. Je vais passer par la chapelle. Quelques cierges, une prière. Oui, ça peut pas lui faire de mal. Oh, ça, c'est sûr. Au revoir. Loïc. Une petite gorgée, mais pas trop souvent. Vous savez qu'il ne reste plus que ça. Je compte sur vous. Ah oui, non, vous pouvez me faire confiance. Vous en voulez pas une petite goutte, parce que ça vous remonterait. Non, c'est vraiment pas le moment. Bon, à tout à l'heure. Oui, et bonne chance.
avez bien compris, Yannick? Vous mettez de l'éther sur cette compresse, mais pas trop. Et vous lui posez sur le nez par intermittence, comme ça. Bon, j'espère que je vais y arriver. Mais bien sûr, un homme comme vous, Yannick. Allez me chercher Pierre, s'il vous plaît. Tout de suite. Docteur, on vous attend. Ah oui, j'arrive tout de suite. Ça ira? J'ai jamais fait ça, moi. Et je sais, mais j'ai besoin de vous. Et puis Kevin aussi. Allez, allons-y. Il y a quelques années, il y a eu une histoire comme ça sur le continent. Il avait opéré sur une table de cuisine. Oh mon Dieu! Faudrait vérifier le groupe électrogène. Faudrait pas que Sylvestre se retrouve dans le noir. Tu sais où il est, toi? À peu près. Qui vient avec moi? Allez, je vous accompagne. Tu me dis quand c'est bon, Sylvestre. J'enfile mes gants. Kevin est endormi. On y va. OK. Trace une ligne entre l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure droite. Tu y es ? J'y suis. Là, tu vas trouver le point de McBurney, au tiers extérieur de la ligne. Tu incises sur 5 cm environ. C'est beaucoup, mais tu seras plus à l'aise. Hélène, vous maintenez les deux berges écartées avec vos pinces. Ce qu'elle a dit? Chut. C'est bon? Ok. Là, tu vois du jaune, c'est de la graisse. Tu ligatures toutes les petites artères. C'est bon, j'ai tout ligaturé. Alors là, normalement, tu vois un tissu blanc nacré, c'est l'aponévrose. Tu donnes un petit coup de ciseau sur 3 cm. C'est fait. Maintenant, tu es dans le plan musculaire, tu passes entre les muscles. Et j'y suis. Alors attention, là, tu arrives au péritoine. Tu vas délicatement le soulever à 2 endroits. Et tu coupes de façon superficielle. Tu fais très gaffe. Si tu vas trop fort, tu risques de perforer le crâne. Ok. Là, c'est infecté, tu nettoies et tu aspires à la seringue. Dans mon bateau, j'emmène les filles du port. Dans mon bateau, je vire de bord. Et dans mon bateau, je suis conquistador. C'est bon, j'y vois clair. Tu repères le sécum. Dessus, tu dois avoir une masse tuméfiée et perforée. Ouais. Tu essaies de la sortir au travers de l'ouverture. Mais je l'ai. Tu fais un nœud à la base. Et après, c'est tout simple, tu coupes au-dessus du nœud. Voilà, ça y est. Chapeau, Sylvestre.
merde! Quoi? Hémorragie. Pas de panique, tu éponges. C'est certainement une artériole, rien de grave. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose. J'entends plus rien. Je t'assure, Jean-Yves, tout va bien. Il faut que je sache. Oh, mais arrête, fais leur confiance un peu. Voilà. Non, je crois que ça saigne plus, là. Allez, tu ligatures. Le pouls est à combien? 160. Allez, tu retires les compresses et tu transfuses. J'aurais jamais dû signer. Tu me donnes le tournis. Fais quelque chose. Je sais pas, moi, va au bistrot. Ou appelle ta femme. Ma femme? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise à ma femme? Bah, tu pourrais lui dire que s'il y a un problème, Sylvestre a du sang. C'est rassurant de savoir ça. Non. Je veux pas bouger d'ici. Bah alors écoute, prends des cachets. Hein. Hélène a dit que ça pourrait te faire du bien. Neuf. Bah, il en manque une. Va voir en bas. Elle a dû glisser dans le cul-de-sac de Douglas. Ah non, c'est pas le moment. Dans mon bateau, j'emmène les filles du bord. Sylvestre, ça va? Ouais, tout va bien. Bon, c'est quasiment fini. Maintenant, tu nettoies à grand dos sans hésiter. Yannick, allez chercher le sérum, s'il vous plaît. Marie. Jean-Yves, tout va bien. Hein? Tu peux aller chercher le sérum? Oui. C'est pour quoi faire? Pour nettoyer la plaie. C'est bientôt terminé. Ça va? Moi, ça va. Et vous? Ça traîne, Sylvestre, ça traîne. Bon, alors, ce ménage, c'est pour quand? Ça y est. Je commence à comprendre pourquoi j'ai pas fait chirurgie. Pourtant, tu avais l'air doué. Allez, trêve de plaisanterie. Il est propre, maintenant, le petit bonhomme. C'est le principal. Reste à éponger et à drainer. Tu refermes comme tu peux, en point lâche. On se débrouillera à l'hôpital pour lui faire une jolie cicatrice. J'ai jamais été doué pour la broderie. C'est pas si mal pour un débutant. C'est bon, Pierre, je peux te le dire maintenant. J'étais pas sûre qu'on y arrive. Je te laisse, j'ai pris du retard pour le bloc. J'en aurais fait autant à ta place. Et encore bravo. Vous pouvez y aller, Jean-Yves. Tout s'est bien passé. Il s'est réveillé? Ah non, pas encore. Je l'ai endormi à l'éther, alors il va avoir un petit peu de mal à émerger. Allez. Ouais, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et encore bravo, hein. Alors? C'est réussi? Alors, tournée générale de la part d'Yannick. Bravo! Yannick. Et Sylvestre? Oh! À Kevin, à la santé du gamin. Vous savez que j'ai toujours eu confiance en vous, docteur. Merci. Ah oui? Bon, excusez-moi, il faut que je prenne votre tension. Ah. Et puis, j'ai bien réfléchi. Je voudrais que si je dois être opéré, que ce soit par vous, docteur. Mais vous promettez, hein? On verra. Hein? Je pense que quand vous aurez les idées plus claires, vous changerez sûrement d'avis. Et puis, bon, l'anesthésie, alors là, vous changez rien. Trinquons à la nouvelle nuit de la Saint-Sylvestre.
C'est plutôt la nuit de la solidarité. Sans vous tous, je ne l'aurais peut-être pas sauvé. C'est quand même vous qui avez fait le plus dur. Moi, à votre place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Allez, je vais voir Hélène. Docteur, je suis désolé. J'ai eu peur, vous comprenez? Oui. Je crois que j'aurais réagi comme vous. Allez, viens, j'arrive. C'est toi. Vous devriez aller dormir, Hélène. Pas question. Kevin et Loïc ont besoin de moi. En revanche, vous... Moi, je n'ai besoin de personne, c'est bien connu. Est-ce que vous êtes susceptible quand vous manquez de sommeil, Pierre? Allez au lit. Le Dantec va me tenir compagnie. Vous pensez qu'on aura assez d'antispasmodiques? Oui, ça ira, oui. Il ne devrait plus souffrir. Très bon. Hein. Je suis passé voir Loïc. Il ronfle. Je voulais vous dire, vous avez été formidable. Vous aussi. Allez, 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 allez vous reposer. Allez vous reposer, Pierre, je suis là. La météo prévoit une amélioration. L'hélico ne va pas tarder. Comment s'est terminée la nuit? Impeccable. Tout le monde dort encore. Gaëlle est toujours là? Non, elle est rentrée chez elle. Bon, je vais voir nos malades avant de passer chez Yannick. Oui, mais ne vous attardez pas. Vous savez qu'il y a les bagages à faire. Et je vous rappelle que demain, on part. Enfin, si tout va bien. Au début, j'ai vraiment cru que je ne saurais pas faire. Hein. C'est pas courant de pratiquer une anesthésie. Heureusement, j'apprends vite. Ça, Yannick, t'as eu du cran. Tiens, remets ça. Tu sais que t'as loupé ta vocation, toi? J'aurais voulu t'y voir, tiens. Max Burnet, Ponevrose, tu connais? Ah, en fait, il regardait des dessins animés, lui, pendant ce temps-là. T'es con. Non, le pire moment, ça a été la main dans le sac de Douglas. Le cul de sac de Douglas, Yannick. Mais bon, c'est un secret médical, hein. En tout cas, vous avez été épatant cette nuit. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Sans vous, je sais pas si je m'en serais sorti. Mais avant cette nuit-là, vous aviez déjà opéré? Non, non, jamais, c'était la première fois. Voilà, je suis venu vous dire au revoir. Et puis je tenais à vous remercier pour les antispasmodiques. Oh, de rien. Ça m'a débarrassé le tiroir. Vous avez réfléchi? À l'opération, bien sûr. Pas question d'aller à l'hôpital, on est très bien soignés ici. C'est quand même pas vous qui allez me dire le contraire. Allez, je vous laisse. Docteur, merci. Erwan, je préfère t'écrire que te parler, alors voilà. Cette nuit, après ce qui est arrivé à Kevin, j'ai compris beaucoup de choses. Depuis longtemps, je me racontais des histoires auxquelles j'étais la seule à croire. Pardon de t'avoir entraînée dans mon rêve. J'espère que tu ne m'en veux pas, mais je voulais juste que tu saches que, grâce à toi, la chenille est enfin devenue papillon. Ne nous oublions pas. De toute façon, je reviendrai prendre des cours de voile. Gaëlle. Simplement vous dire merci. Pour une fois, la vie en vrai, c'était mieux qu'en rêve. En tout cas, tu n'as pas l'air trop fatiguée par la transfusion. Ah non, pas du tout. Je suis vraiment fière d'avoir donné mon sang pour Kevin. Eh, t'as raison. Sans toi, on ne l'aurait pas sauvé.
Moi, je crois plutôt que c'est lui qui m'a guéri. Je crois pas que t'exagères un peu. Bon, faut que j'y aille. Vas-y. Et puis, prends soin de toi. Hein. Si on ne peut pas faire autrement, on a un problème. Oh non, trop c'est trop. On ne peut embarquer qu'un malade à la fois. Mais Kevin parle le premier. Le risque de septicémie est trop. Loïc. Loïc. On a un léger contretemps. Kevin partira le premier, l'hélicoptère viendra vous rechercher. Mais ça sera pas long. Ah oui, au point où on en est, je suis pas pressé de vous quitter, docteur, ni Hélène, d'ailleurs. À propos, je voulais m'excuser pour hier soir, je crois que j'ai un peu forcé la dose. Moi qui me faisais une joie d'être votre témoin. Oui, bah ça c'est pas... ça n'empêche pas... Regarde. C'est mon appendicite. Tu vois, c'est pas grand-chose. Oh, super. Je vais la montrer à mes copains et puis je leur raconterai l'histoire des mammouths. Bah, ça, c'est une idée. Hein. Je te la donnerai à l'hôpital. Ouais. Au revoir, petit bouchon. Au revoir. Oh. Allez. Vas-y. Hélène, avec Loïc, vous montrez dans l'hélico à son toit. Ah non, 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 moi, je monte pas là-dedans. On peut pas laisser Loïc tout seul avec le pilote, faut surveiller son pansement. Mais c'est plus de mon âge tout ça, Pierre, enfin c'est plus de mon âge. Et puis je vous connais, un jour vous me demanderez d'escalader les montagnes ou de faire de la plongée sous-marine. Mais vous êtes capable de tout. D'ailleurs je crois qu'on est prêt pour la médecine d'urgence. On va postuler pour médecin du monde. Quoi ?